chaîne Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue parmi nous. Au sommaire de ce jour, assassinat de civils mauritaniens au Mali, une enquête a été ouverte. Le gouvernement mauritanien a exprimé son mécontentement après que plusieurs civils mauritaniens ont été tués sur le territoire malien. Selon les informations, le massacre aurait été commis par les forces régulières du Mali. Le gouvernement malien a sorti un communiqué pour tenter d'apaiser la situation entre lui et son voisin. En cette circonstance particulièrement douloureuse, le gouvernement de la République du Mali adresse au gouvernement, au peuple mauritanien et aux familles endeuillées une compassion et ses sincères condoléances les plus humaines, a indiqué le gouvernement malien. Le gouvernement de la République du Mali condamne lourdement ces actes criminels destinés à porter atteinte à l'excellente qualité des relations entre nos deux pays. Surtout au moment où ce frère et ami de la République islamique de Mauritanie apporte un soutien particulier aux populations maliennes qui subissent des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines. Le Mali assure qu'il n'y a aucune preuve que les forces armées du pays soient derrière ces assassinats de Mauritaniens et assure qu'une enquête sera ouverte pour situer les responsables d'un tel acte et les traduire devant la justice. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.